Après je finis mes devoirs, je prends une douche. Dans la douche, j'utilise du shampooing pour mes cheveux, du savon pour mon corps, et un rasoir et de la crème à raser. Après ça, je me sèche avec une serviette de bain. Ensuite, je m'habille dans mes pyjamas. J'aime à nouveau, et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime à nouveau, sans dépendance en tout, sans dépendance en tout. Maintenant, je mange le dîner. Ce soir, je mange du pizza avec des oignons et des poivres. Puis, avec de la dentifrice, je me brosse les dents. Où fut-il? Derrière la lumière, si je ne m'occupe pas, je regarde la télé avant que je me couche. Maintenant, je suis très fatiguée, alors je vais dans ma chambre et je m'endors très vite. Bonne nuit! Oh maman, aidez-moi! Abigail, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dormi, mais tout à coup, je suis tombée sur mon lit. Je pense que je me suis cassé le bras. Oh mon Dieu! Tu as besoin d'aller aux urgences. Oui. Bonjour madame. Bonjour Abigail. Comment est-ce que tu te sens? Pas bon. Je pense que je me suis cassé le bras. Oui, tu es correct. C'est grave. Comment est-ce que tu l'as fait? Je suis tombée de mon lit. Vraiment? Il fait mal. Oh, désolée. Tu vas avoir besoin de la chirurgie. Oh mon Dieu! Je vais être d'accord? Oui. Après ça, tu vas prendre du médicament pour la douleur. Il y a ton ordonnance. Merci, madame. Je vais aller à la pharmacie maintenant. D'accord. Au revoir. Comment est-ce qu'on se casse le bras par tomber du lit? Bonjour. J'ai une ordonnance pour un médicament pour la douleur. Ah oui, d'accord. Ah, ici. Merci, pharmacienne. Maintenant, je me porte mieux. Je peux utiliser mon bras pour des activités comme faire du shopping et faire de l'exercice. Je me suis reposée pour 6 semaines et j'ai pris mon médicament et j'ai guéri. Je vais essayer à ne tomber pas encore de mon lit. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies pleines.